à tous. Voici le livre qui a été choisi par notre classe pour le concours Moselle Livre. Il s'agit du livre Diego M. Jolie, écrit par Sophie Grenot, aux éditions Rouergue, dans la collection Dakodak. Alors, je vais vous présenter la couverture du livre Diego M. Jolie. En plein milieu, nous avons un grand cœur rouge où il y a marqué dedans Diego M. Jolie. Et il y a une flèche qui transperce le cœur. Nous avons un cœur en bas avec des écouteurs, une grenouille en porte-clés, un agenda, et les fleurs de pâquerette qui nous font penser à la comptine enfantine. Et, ben, dès notre première impression, on ressent l'amour de jeunesse des années de collège. Petit résumé de l'histoire. Tout commence par la déclaration. Elle a eu lieu au collège, après le déjeuner. En bas de l'escalier, Diego aime Julie. Et depuis, Julie est flattée et se sent légère, mais ne pense plus qu'à ça. En maths, Diego est amoureux de moi. Difficile de calculer un périmètre. En histoire, Diego est amoureux de moi. Et en sciences aussi. En anglais, il me love. Julie comprend qu'elle doit donner une réponse. Diego veut savoir si elle l'aime. Elle commence à gagner du temps, en attendant d'avoir les conseils de sa grande sœur Zoé. Il a ses doutes. En rentrant chez elle, Julie se pose des tas de questions. Sur l'amour, sur Diego, à tel point qu'elle n'arrive pas à dormir. Et les notifications du groupe classe sur son téléphone n'aident pas à trouver le sommeil. Comme elle cherche des réponses, elle écrit dans son journal pour voir si ça lui fait quelque chose. Julie écrit dans son journal à Jim, Diego, Diego, pour voir si ça lui fait quelque chose. Pas vraiment. Changement de stylo. Noir sérieux, rouge passion, bleu fleur bleue, rose amour. Elle trace une portée de musique, place le prénom comme autant de notes. Rien ne chante en elle. Les cinq lettres restent fades, pas de paillettes dans les yeux de Julie. Le lendemain, au collège, c'est l'effervescence. Tout le monde veut savoir si elle aime Diego. Elle est devenue le centre de l'attention et elle déteste ça. Heureusement, sa grande sœur va l'aider pour répondre à Diego. Et elle lui conseille de lui dire la vérité avec beaucoup de respect. Et pour cela, Julie décide d'écrire une lettre. Une lettre sincère en choisissant bien ses mots. Oui, très bonne idée. Il faut trouver des mots simples et vrais. Des mots qui blessent le moins possible. Des mots comme des petites griffures qui guérissent vite. Des mots de genoux éraflés, pas des mots briseurs de cœur. Mais remettre la lettre à Diego ne va pas s'avérer si facile que cela, d'autant qu'il va y avoir des obstacles ou des rapprochements. Ce que nous avons aimé dans ce livre, c'est que nous sommes facilement entrés dans l'histoire car le roman est assez court et simple à comprendre. Ça nous touche car c'est une histoire de tous les jours qui pourrait très bien nous arriver. Nous avons apprécié le personnage de Diego car nous l'avons trouvé très courageux d'avoir osé avouer ses sentiments à Julie. Nous avons moins aimé les rumeurs et les propos déformés et rapportés par les collégiens et la pression qu'il y a autour de Julie.